Three, two, one. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure qui vous regardez la vidéo. Nous comptons entrer là pour notre émission pour la boue qui c'est Flash Sport qui passe sous page Flash TV Haïti. Avant d'aller plus loin, je vous demande pour abonner, liker, partager. Mon gars avec moi, Stevenson, m'a dit bonsoir. Bonjour, bonsoir, Kende. Encore une fois, son plaisir pour nous là pour porter Flash Sport qui place sous Flash TV Haïti. J'aime toujours dire Flash TV Haïti. Nous présentons sur toutes les plateformes net, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. J'aime toujours dire c'est like, partager, si vous avez commenté pour faire ou mettre fait. Encore une fois, nous comptons là. Nous allons parler. Nous allons parler sport. Nous allons parler sport, Steve. 3, 2, 1. Ça n'a pas été menu aujourd'hui, n'a pas les foot féminin côté sélection féminine non U21 qui joué un match, il remporté la victoire et n'a pas les sur à l'échelle internationale, n'a pas les 5 grands championnats majeurs, des conflits qui gagnent entre et la Russie avec l'Ukraine du côté footballistique, impact les fait sur football là, n'a pas les de tirage au sort et au Ligue 1 et puis pour finir, n'a pas les de finale Carabao Cup là et que Liverpool remporté. C'est tout pour ça on a bien pour nous. À point coup de pause, à point d'abord. 3, 2, 1. Here we go! Nous tournons à proposant, nous avons directement dans le football féminin qui est la sélection nationale féminine moins de 20 ans qui a joué en République Dominicaine. C'est tout qualification. Qui va jouer et Coupe du Monde qui va jouer et au Costa Rica. Sélection qui font victoire Stevenson, 2 buts à 1, sortir face Cuba, sortir. Et effectivement, je dis, Kenley, il y a une sélection nationale U21, nous connaissons qui est entraîné par Fiodor Schall. A noter que Fiodor Schall, c'est un ancien international. Et je dis, qui vient coach. Et parlant de Fiodor Schall toujours, Fiodor Schall, équipe U20 qui était bien chance de participer dans la Coupe du Monde qui était faite là, que le premier travail préparatif c'était Fiodor qui était commencé à travailler ça après Makula, lui-même Tabral Vini, Tabral Assuré, suivi hein, qui était mené l'équipe ça dans la Coupe du Monde, nous connaissons comment ça a été passé, etc. Et effectivement, l'équipe U20 ça a entraîné pour Fiodor Schall et c'est. On note que phase et sélection en jeu là, c'est phase préparation, c'est phase qualificative pour Coupe du Monde Costa Rica 2022. À noter que son Coupe du Monde qui est supposé faire en 2020, en raison de la crise sanitaire mondiale, qui est obligé de faire en 2022. Et effectivement, que Haïti, non, pour qui fait partie de Haïti, de Guatemala, et de sélection Cuba et de Jamaïque. Et sélection font très bonne entrée en matière côté au bat équipe cubaine 2-1. À noter que compétition ça a fait du côté de République Dominicaine, plus précisément le stade Félix Sanchez. Oui. Et sélection bat 2-1 côté que gain Valentina Ornis qui était marqué premier goal là et gain Mete Luz et qui était marqué deuxième goal là et puis équipe cubaine dans tout après le du score là très tard. 2-1 à la deuxième tabelle du score là à la 71e minute de jeu. Et effectivement, si on regarde les préparations qui fait bon côté sélection, c'est bon sélection véritablement côté de grandes préparations foncières. Effectivement. Parce que sélection, c'est une sélection qui était plus dans le cadre de concentration dans le champ. Côté, tu es concentré là, tu as préparé effectivement tout ça, mais pas véritablement de grosses préparations foncières, etc. Bon, effectivement, j'aime toujours dire, et moi, je pense que la phase de catégorie, ça, surtout si on prend U17, U20, moi, je pense que au niveau de zone caribéenne, là, nous toujours fait, je pense que nous supérieurs, nous fait de très beaux figures, surtout face à des nations comme Jamaïque, Trinidad, etc. Mais je pense que côté peut-être nous, côté apte nous, c'est peut-être dans zone. Amérique centrale là, côté nous faire face à deux ou Amérique du Nord là, côté nous faire face à deux grands échiquiers tant pour les États-Unis, Canada, Panama, le Mexique ou encore le Mexique. Même ben c'est ça et normalement que une bagarre qui marque sélection ça tout c'est absence de Melchidael Simone que tout le monde connaît sous encore Ventina qui gagne l'âge qui peut jouer compétition mais dommage que à cause de blessures que il permet li pas là et surtout nous connaît que qu'on l'a fait face à une surcharge musculaire, notez bien que Ventina qui fait partie de l'équipe
Stade de Reims là du côté de la France première division française. Mais bon, l'autre particularité dans la sélection ça encore c'est gain 4 mesdames récemment qui étaient fait partie de l'équipe senior là qui est l'équipe ça. Nous avons pris deux joueurs là pour Megan Saint-Cyr qui joue au poste de arrière droit et nous avons pris un goalkeeper là tout qui c'est Naomi Fleurima, je crois, qui fait partie de l'équipe ça encore. Bon, c'est très bon pour sélection, hein, j'aime dire. La prochaine échéance, sélection à bien, c'est pour face à sélection Guatemala. Et football Guatemala, son fou, c'est une carte de dans tout dernier moment, là, si on était sous sanction, la FIFA était sanctionnée, mais au plus ou moins qu'on y a, où ils prennent. Etc. Même parce que pour bonheur compétition autour, même parce que c'était succès à la sélection. À noter que c'est trois équipes qui ont qualifié dans poule là. C'est-à-dire que quand même c'est à 75%. Nous avons chance nous. Bon, peut-être, oui, mais c'est nous avons chance nous pour nous qualifier pour nous aller dans la prochaine phase. Nous allons continuer pour cette compétition. Amis internautes, c'était toute information ça aucun dégain sur le local. Ma compose la tournée pour venir développer information internationale pour pas déconnecter. 3, 2, 1. Here we go! Nous tournons à proposer un apport directement à l'échelle internationale qui va être présenté par Marc Adonaïcha. Ok, d'accord. Jean-Aude l'été a annoncé, là, nous parlons de résultats 5 grands championnats majeurs européens. Tout d'abord, on a commencé avec la France qui a pu 26e journée. 26e journée qui est victoire équipe Stade de Reims sur Montpellier 4-2. Il y a Strasbourg qui fait 0-0 avec Nice. Dans le match, Nice prend un carton rouge. Il y a Paris Saint-Germain qui bat 7-7. 3-1 avec un double de Kylian Mbappé, un goal de Danilo, et puis un double passe décisif pour Léo Messi. Gay AS Monaco qui fait et qui tombe devant le stade de Reims, 2-1 dans le match à Monaco pour un carton rouge. Gay Metz qui fait 0-0 avec Nantes, nous connaissons qui est écrasé par les Saint-Germain, 4-1. Gay Angers qui perd devant Lens, 2-1, qui gagne un carton rouge match pour ça, c'est Metz qui est bon. Gay Stade Brestois qui tombe 0-1 devant Lorient. Gain Clermont Foot qui fait 1-1 avec Bordeaux, gain 3 qui fait 1-1 avec Olympique de Marseille et puis gain Olympique Lyonnais qui tombe devant Lille de Golazio. On a quitté le championnat français, nous allons aller dans le championnat allemand. Nous allons en Allemagne, un championnat allemand qui est la 24e journée. Le championnat ça nous connaît qui est la Bundesliga, l'équipe qui domine le plus déjà nous connaît. C'est Bayern Munich. Je nous dis déjà, le championnat d'Allemagne qui est la 24e journée avec Bayern Munich qui est à Frankfurt. Il y a un gol à 0, un gol qui est le Wassan et Timaki. Il y a Offenheim qui bat Stuttgart du gol à 1. Il y a Greuther Fürth qui fait 1-1 avec Cologne. Il y a Union de Berlin qui bat Mainz 3-1. Il y a Bayer Leverkusen qui bat Ami Abilfit 3-0. Gay Borussia Mönchengladbach qui fait 2-2 avec Wolfsburg. Match ça dit un carton rouge. C'est Wolfsburg qui était pour carton rouge là. Gay Bochum qui tombe 1-0 devant Rasenboy Leipzig. C'est Christopher Enko qui fait goal dans le match pour ça. Et puis Gay Borussia Dortmund qui neutralise avec Augsburg. En Italie, c'était 27e journée qui a vu. Championnat, ça nous connaît que les Serie A. Et l'équipe qui domine plus, c'est la Juventus de Turin. Championnat, ça nous connaît que c'est Inter de Milan. Et bien, Guimilan, c'est qui neutralise avec Udinese, un goal partout. Gain Inter de Milan, tout, qui neutralise avec Genoa, 0 but partout. Gain Salernitana, qui neutralise avec Bologne, 1 but partout. Gain Empoli, qui tombe 2-3 devant la Juventus de Turin avec un double de Dusan Vlahovic. Gain Sassuolo, qui bat Fiorentina 2-1. Fiorentina, nous connaît qui pèse Dusan Vlahovic. La match à France a pour un carton rouge. Gain Torino qui bat Cagliari, excusez, qui perd devant Cagliari 2-1. La match à Bellotti qui fait goal. Gain Elas Verona qui bat Venezia 3-1. Gain Spezia qui tombe devant Roma 0-1. Gain Napoli qui bat et Lazio de Rome 2-1. La match à Lorenzo Insigne fait goal. Et puis dernier goal match ball là, en fin de temps réglementaire, c'est Fabien Ruiz qui va le marquer. Et puis jeudi, gain Atalanta qui a joué avec Sampdoria. La match à c'est à 2-0. Nous parlons en Espagne, qui a 26e journée, championnat d'Espagne, nous connaissons la Liga Santander. Et bien en Espagne, j'aime dire non, fait 26e journée qui est Levante gagne LG 3-0. Real Madrid qui est tombé devant Valence 1-0 malgré Valence 14 jamais ça gagne Getafe qui neutralise avec Deportivo Alavés 2-0. Gagne Rayo Vallecano qui tombe devant Real Madrid 1-0, un goal de Karim Benzema sur passe de Vinicius Junior. Gagne Atlético Madrid qui bat Celta de Vigo 2-0. Gagne Villarreal qui crase Espanyol Barcelone 5-1 dans match ça Jérémy Pino qui marque
4 goals dans 53 minutes. Un jeune espagnol de 19 ans, numéro 17. Gay Real Betis dans derby Sevilla qui tombe 2-1 devant FC Sevilla. FC Sevilla qui a fait un bel championnat jusqu'à présent. Gay Real Sociedad qui bat et Osasuna un goal à 0. Gay FC Barcelone qui bat et Athletic Bilbao 4 goals à 0. Goal de Emeka Aubameyang, Ousmane Dembélé, Memphis Depay, ça n'a pas oublié Luke De Jong, Franziski, Joe Nélandia qui a marqué dans le match pour ça. Nous parlons en Angleterre, qui est la 27e journée au championnat anglais, nous avons créé la Premier League. Et bien, la 27e journée, qui était l'équipe Southampton, qui a gagné Norwich 2-0. Leeds United, mes amis, tombé 0-4 devant Tottenham Hotspur, la Kai Leeds. Après Matsa, il y a Marcelo Bielsa qui a limogé. Et bien, 4 goals Leeds, c'est Harry Kane qui a marqué, Edmundson, Sandro Doherty. Et puis, excusez Edmundson qui fait un double de match pour ça. Arsenal Liverpool n'a pas joué. Cause Liverpool t'a joué final Carabao Cup là avec Chelsea n'a pas pour nous faire le point sur ça. Gay Crystal Palace qui fait un an avec Burnley, gay Brentford qui tombe 2-0 devant Newcastle City dans match ça côté que Eriksen qui était fait grand retour dans match ça Brentford prend carton rouge. Newcastle nous connaît qui a acheté par et monsieur Saoudi mais pas de Mohamed Ben Salvani, c'est club qui plus riche sur la tabelle et ben les bat équipe Brentford de goal à 0. Gain Brighton qui tombe 2-0 devant Aston Villa. Aston Villa nous connaît qui fait un recrutement pour Philip Coutinho l'occasion et puis qui prend ancien joueur Liverpool on fait des 7 joueurs qui a fait jusqu'à présent qui a fait une bonne saison. Et ben gain Manchester City qui bat Everton un goal à 0 dans match ça côté qui nous a regardé Zinchenko qui était vraiment monsieur était vraiment ému pour la regarder comment le public l'a ovationné pour et Jean la Russie a attaqué l'équipe ukrainienne et puis monsieur était fait un sorti côté il était dit que Vladimir Putin un joueur mourir quand même. Et ben gain West Ham United qui tombe 0-1 devant excusez qui peut dire et bat Wolverhampton un goal à 0 dans match ça côté que équipe Manchester United a espéré un match de West Ham encore à l'aise et ben West Ham t'a fait une victoire un goal à 0 et puis Manchester United neutralisé face équipe Watford là 0-0 on dit que ni a une comme tout Manchester United pas arrivé battre équipe Watford là et puis t'as pas que Chelsea t'a joué avec Leicester match ça qui t'est arrivé reporté à cause que Chelsea t'a pas joué Carabao Cup là. Nous allons parler des finales Carabao Cup. Là, j'ai annoncé le mini. Équipe Liverpool qui gagne l'équipe Chelsea après 120 minutes dans le jeu de pénalty. Côté que l'équipe Liverpool a gagné aujourd'hui à 17 sur le dégât de Carabao Cup. Et comment l'équipe Chelsea a campé devant Liverpool? Bon, et aujourd'hui, dimanche, c'est le final Carabao Cup. Du côté de l'Angleterre. C'est une énergie de Carabao. Oui, à noter que Carabao Cup, effectivement, Carabao, son boire son énergétique anglaise, qui sponsorise le championnat de Coupe de la Ligue anglaise. Tout à fait, c'est ça qui fait l'obligé de côté de nous, Carabao Cup. Bon, tout à fait, et t'es dans le final là, et les gars, les deux équipes, comme si Chelsea, Liverpool, extrêmement, c'est un très beau match de football, surtout nous connaissons qu'en Angleterre, déjà, l'Angleterre, c'est le mieux que je dis, la physique, la physique, la question du championnat majeur, je dis. Et une bagarre qui était véritablement marqué dans le match, c'est en pile intensité, surtout en pile intensité, bon côté de match très équilibré. Oui, un match très équilibré, en pile intensité, bon côté de l'équipe. Surtout une bonne équipe, et Liverpool là déjà, le clopiste qui s'allie, c'est Guy Gilles, c'est propre, c'est une dynamicité au niveau du but de terrain. C'est toujours chercher verticalité terrain, ce jeu qui est basé en plus sur un pile verticalité, c'est profondeur, etc. Ouais. Et tout à fait que, normalement que ça, une balle qui est véritablement marquée dans le match, c'est, et encore une fois, Edouard Mendy, continue à prouver mou par rapport à tout à tout que y a deux goals qui font ça, qui fait pas mal de arrêts spectaculaires dans le match. Surtout, on parle que le retire, peut-être, je crois que le retire pour Virgil van Dijk, ou encore face à International Colombien, on parle de Luis Diaz, qui fait venir dans l'équipe et Liverpool 1, et on très fuge de Porto pour 60 millions d'euros. Et c'est ça, me dit, ouais, mais encore une fois, qu'on fait majeur dans le match, il paraît très troublant pour tout le monde. C'est le fait que Edouard Mendy, qui tape jouer qualité match Edouard Mendy joueur, et nous capable de dire, contre toute attente, que Thomas Tuchel font changement côté de remplacer Edouard Mendy par Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga, nous connaissons que c'est un gardien que Chelsea t'a acheté 80 millions. C'est un gardien Chelsea plus Kepa Bustiou. Oui, c'est un gardien Chelsea plus qui Kepa Bustiou. Effectivement, les changements sont faits, mais
il y a deux monde qui mandé tête yo pour qui ça que Tuchel choisi faire un changement dans moment ça après que Edouard Mendy est en état de grâce en pleine concentration au match football et pour ça changement ça fait mais là dire que c'est pas combien ça fois ça fait c'est pas combien fois Tuchel fait ça tout parce que la finale Super Coupe d'Europe là face à Villarreal il était fait ça et quand même ça a marché mais face à Liverpool là ça va marcher mais contre il voit les histoires c'est Kepa qui a raté Timo Mbala face à Mikel Leyer, je regarde Zimbo qui est dévoué Timo Mbala. Et encore une fois, je dis un touche, et encore une fois, je dis un qui est Klopp qui continue à gagner, mais tu es trop du côté de Liverpool. Déjà, Klopp, c'est en Ligue des Champions, c'est en Super Coupe d'Europe, c'est en Coupe du Monde des Clubs, championnat d'Angleterre. Et puis, mais en finale, Carabao Cup là encore, championnat qui était manqué tout à fait. Oui, il faut tout ça là avec Mané, je finale. Carabao Cup. Oui, tout à fait. En fait, et il fait pas quand tout, c'est changement, ça a dû aller côté de c'est pas content, changement. En fait, on nous dit que moi, avec ça là, c'est une langue qui veut plus me prendre des minutes. On a absorbé la Coupe d'Afrique des Nations, 8e de finale, 120 minutes, pas de finale, 120 minutes, demi-finale, 120 minutes, et finale là, 120 minutes, et puis le village, 120 minutes devant. Et que je suis bon, mais ça me donne mes premiers tours. Comment réussir pour prendre ça? Et il doit même dire champion sur Égypte. Pendant que c'est des exercices d'être au but. Bon, c'est qu'avec les récents champions, ça a été des championnats sur le but. Et puis, je vais arrêter en état de grâce. Et pour moi-même, si on pourrait aller de toute façon, je moi, je pense, et surtout, il y a je comprends que le monde qui croit que Léo arrive à la phase du tir au but. Il y a des gens qui croient que c'est des mauvais tireurs qui gagnent. Rapidement, fait tout, mais fait tout. Mais pour tout, la phase à tout, pas véritablement gagner des bons. Gagner des goalkeepers qui véritablement bon, c'est ça. Bon, c'est ça, c'est ça, que Liverpool est venu, club qui peut plus Carabao. Bon, l'autre, pour nous parler, pour nous parler, impact et crise et conflit entrepreneur avec la Russie qui impacte le fait sous football. 3, 2, 1. Here we go! Crise, Ukraine. La Russie impact les fans sur football là en plus ça son bail en plus sponsor et bon écoute et compagnie et Russie tu connais gars des gaz pour et pour oui pour Manchester United c'est IO oui et puis la FIFA qui fait sortir par là donc OK on a commencé avec championnat et ukrainien avant comment concevoir et championnat campé et bon tout à fait bon n'a justement fonti brief surprise mais même si que nous pas aller l'aspect politique plus footballistique n'a été plus footballistique et nous pas comme si peut-être monde qui prétend que nous gagne nous pas internationaliste tout peut-être c'est juste dans dimanche footballistique mais c'est compliqué mais plus ou moins c'est nécessaire plus ou moins retracer crise ça va dire que son crise qu'il a depuis un certain temps mais en 2014 que côté que tu gagnes véritablement en bataille entre deux régions séparatistes du côté de l'Ukraine, qui c'est Donetsk à Lugansk, c'est deux régions séparatistes qui pour Russes, que véritablement qui plus ou moins ont démarché indépendantistes, côté ils même pas retrouvé du côté de l'Ukraine, ils ont plus retrouvé du côté de la Russie. Mais malgré ça, malgré tout problème ça a été posé, tu gagnes un accord qui s'y est. En 2014, c'est accord de Minsk. Minsk, c'est capitale pays Biélorussie. Biélorussie, nous connaissons comme dirigé par Loukachenko. Loukachenko, c'est un 5 KGB au même titre de Monsieur Vladimir. Au même titre de Vladimir Poutine. Et après que ça t'es venu bagarre, tout ça était censé, tout ça c'était posé. Mais au fil du temps, t'es toujours une attaque qui a fait autour de même région séparatiste, etc. Vin prouver que dernier moment là que Monsieur Vladimir Poutine
attaquer pays là, attaquer pays l'Ukraine. Attaquer pays l'Ukraine qui est une cause que le championnat ukrainien campé pour une durée indéterminée jusqu'à nouvel ordre. Il y a pas mal de débats encore, comme si il y a une finale coupe, finale Ligue des Champions, qui t'a fait du côté de la ville de Saint-Pétersbourg, plus précisément le stade Gazprom Arena. Oui. Et bien, cette finale, ça que vous obligé de reporter, que stade de France. Vous obligé de jouer finale là, fait du côté du stade de France, que Gampil qui dit que c'est Macron, en pour parler avec le président UEFA, le Séphérine, que M. Tafon fait que Séphérine mène une finale dans le stade de France, oui, mène le stade de France du côté de la ville Saint-Denis. Et l'autre bas encore, il y a sponsor numéro 1, Ligue des Champions, Gazprom. C'est pour ça, c'est Gazprom qui a coupé tout contrat avec. Par exemple, l'autre qu'on a regardé Ligue des Champions, on a regardé au niveau du banner où est Gazprom qui a passé, il a coupé contrat. Gagné équipe Schalke 04 la tour. Oui. Tout à fait, qui est en deuxième division allemande, qui a retiré Gazprom en tant que sponsor sous Mario, il a retourné avec mon Schalke en sous Mario, équipe là. Et l'autre conséquence encore, c'est Aeroflot, qui sont lignes aériennes russes, qui ont un contrat avec l'équipe Manchester United. Là. Manchester United coupe le contrat. Et nous allons aller toujours du côté de EuroLeague, si c'est un plus beau tournoi de basket. Il y a deux clubs qui participent dans le tournoi. Ça, un club qui est sur l'équipe Barcelone, Bayern Munich. Tu as supposé que c'était un match entre le Bayern Munich et CSKA Moscou. Et bien, il y a un chancelier allemand. Actuellement, allemand qui prend des décisions qui te dit que Piga aucun ressortissant allemand traversé du côté de la Russie. Effectivement, que nous ne connaissons que il y a de dispositions qui prennent, nous ne connaissons que match ça va jouer. Du côté de la Formule 1 qui va parler tout, même si Lewis Hamilton n'est pas véritablement affirmatif, même j'ai Verstappen. Verstappen qui s'est récent champion du monde. Oui, qui s'est récent champion du monde à Abu Dhabi. Verstappen qui clair lui-même que tout le monde a sauté pour le faire au niveau de Formule 1. Verstappen qui clair lui-même que il n'est pas regardé du côté de la Russie. Moi, c'est tout, excusez, moi, c'est tout. Et pour Lewis, il y a un petit bémol tout parce qu'il n'a pas une série britannique. Oui, 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 tout à fait. Oui, il y a deux. Même j'ai mais pour le président Chelsea pour Mon Abramovich qui pas rentré du côté de l'Angleterre. Bon, c'est là que tu vas jouer sur. Oui, oui, tout à fait. Et oui, parce que tu as deux gros dispositions pour du côté de l'Angleterre. Premier ministre anglais, M. Boris Johnson, tu as pris une décision que pour de véritablement de ligne aérienne anglaise couper tout. Comprenez tout contact qui t'a bien supposé entre l'Angleterre et la Russie, idem que la Russie fait tout, etc. Mais du coup, il y a une sélection russe là. Qui tombe là côté la FIFA à travers le président Yannis Infantino, nous connaissons le président de la FIFA. On promène encore avec l'UEFA, son Italie Suisse qui a pris une décision pour exclure la Russie, la Coupe du Monde là. A noter que nous connaissons la Russie, tu as le barrage Coupe du Monde là à partir du 24 mars côté de sélection polonaise. Et la Pologne était très clair lui-même qu'il n'y a pas de jouer, il pas jouer avec la Russie, le pays de la Pologne ou encore la Suède. Ou la République tchèque, tout est interdit au Pabral jeu avec sélection suisse là. Et sélection suisse là. Mais quand il y a un problème qui posait, il y a des gens qui trouvaient que ça. J'ai toujours dit que le football pas football apolitique, comment fait que ou la FIFA, en communauté, pour l'UEFA, pour une décision comme ça, pour exclure un pays qui a pris la phase qualificative, c'est pour tout le monde, etc. Bon, Napton qui évolue sur le dossier, c'est un peu. Sélection aussi. Parler hymne national pour la Russie, parler hymne national pour et puis on joue sur un terrain qui sur un terrain public, etc. Bon, beaucoup y en a qui est un bon côté fédération russe de football qui ça qui va le faire, qui poursuit, qui va le faire au niveau de ça. C'est vraiment compliqué, mais plus ou moins que je ne dis du côté de l'Ukraine encore, qui connaît que l'équipe qui est le Shakhtar Donetsk, son équipe qui est en charge en colonie de Brésil. Et monsieur, tu es trouvé dans une situation vraiment difficile côté pour l'équipe de l'Ukraine, pour te traverser soit dans le pays, ou qui est entré dans une équipe qui est Zerbi, qui sont italiens, et monsieur, tu es évoqué à toute famille qui est en Italie que difficulté qui est pour sortir de l'Ukraine pour tourner dans le pays en Italie, c'est OK, c'est ça. Oui, on a fermé avec la Ligue Europa parce que l'eau dit la Russie Ukraine conflit parce que n'a pas que dans la Ligue Europa tout les clubs russes et puis est-ce que club ukrainien bon parce que chaque pas allé c'est Sheriff qui est allé mais devait Sheriff qui t'a été réellement OK, nous parlons et programmation 8e de finale Ligue Europa avec André Kendi. On a rentré directement dans le tirage soir qui était fait pendant la semaine, dans le tirage soir Europa League. Et on a vu Sparta Prague qui a joué face à l'équipe Glasgow Rangers, Monaco qui a pu suivre l'équipe Sporting Braga, FC Porto qui a joué avec l'équipe Lyon, Atalanta qui a pu suivre Bayern Leverkusen, West Ham
cap la cali cap pour suivre équipe Séville, Barcelone qui a joué face équipe Galatasaray là, et puis Spartak Moscou qui a joué face équipe RB Leipzig. A rappeler que RB et Spartak Moscou qui ont disqualifié, qui RB Leipzig joue une qualification par rapport avec crise, une crise qui est la Russie et l'Ukraine, ils ont disqualifié équipe Spartak Prague là. Et puis pour finir, a joué équipe Real Betis qui a pu se voir équipe Eintracht Frankfurt là. Oui, à deux tiers juste au Europa League là. Qui va nous des belles affiches. Nous regardons Barcelone face équipe Galatasaray là. Soir du matin. Bon, oui, il y a des belles affiches. Nous regardons Barcelone Galatasaray. Bon, en fait, Barcelone Galatasaray, bon, c'est via nouveau forme Barcelone Vingé. Belle affiche comme le FC Barcelone. Et Galatasaray là, tout son équipe qui est classée en deuxième position dans le championnat de la carrière. C'est la Super League. Et FC Barcelone nous connaît que Zan Cap font un bel travail. Nous regardons. J'arrive à implanter le système de jeu, le système de jeu qui a une énorme rapidité sur les côtés. Regardez le MC joue avec Traoré. Et puis, l'autre avantage qui vient encore, c'est sous plan d'attaque. Là, côté que les joueurs Aubameyang, Ferran Torres et Traoré, M. Sao qui allait très rapide, il y a varié. Ça a dit, mettez Aubameyang en attaque, par exemple, en attaque. En fait, Aubameyang était à gauche, il va récupérer un bouton, il était à gauche, il va pas le changer, même avec Ferran. Sur le rise, dans la position, M. Sao est capable. Fait noir sur blanc. Donc, bon, c'est Basson Galatasaray. Basson, tu as supposé faire le meilleur. Nous connaissons qui c'est Gay Match Bossay pour l'avancer plus devant. Mais dans la compétition, nous connaissons une équipe FC Séville qui vient un adversaire qui parle si adversaire, non, parce que l'équipe récemment ouais, a fait un bel début. C'est un bel championnat, pas qu'à ce début, un bel championnat. Il vient y passer. Ça m'a bien joué, l'équipe a bien joué, David Moyes. Implanté yon bel bay nan ekip lan tan pou len ap gade Jean Declan Rice pou te ekip sa du kote ofansif et defansif. Yo gen donc Lucas Fabianski a gauche Pasuaku, yo gen Kedzoma, yo gen Souchek, yo gen Denek Kogo, Mikael Antonio, konti se sa ou se yon ekip ou sa nan jen dik pou ekip akye ekip FC Séville. Donc ekip talè, ekip FC Séville, sou ekip ka fon bel championnat, len ap gade Jean Siri et des équipes Real Madrid. Est-ce qu'on est capable de faire un favori pour voir ça? Donc, pour vous dire, raison intéressante, c'est pas parce que ça en 6e position pour vous dire que si on bataille David contre Goliath, on a gagné le championnat anglais, il est comparativement différent avec le championnat d'Espagne. FC Séville qui est en 2e, de Real Madrid qui est des bons joueurs, on a gagné Yacine Bono, un bel portier, Jules Koundé, Ligue Tiagelles, Akonbos, Rakitic. Rakitic, son bel match. Ça suppose un bel match, mais n'abtend. Ok. Et pour match FC Porto Lyon, ça ouais. Son Porto, nous connaissons qui c'est un compagnie d'Europe qui pas tellement très bon non, mais en fait, il était tombé dans le pool tout qui dégage Atlético Madrid et Milan AC, Liverpool. Bon, est-ce que tu as mal de qui bloque ça? Bon, c'était qualifié pour la Ligue Europa quand même parce que je pense il pas si il était petit pour ce groupe ça pour moi-même parce que je me pense que Milan AC pour énorme saison il était fait, il était capable de premier qui au même équipe ce Porto on connaît qui perdit une année je qui c'est Luis Diaz et me pense tout Jesus Corona tout qui c'est était un joueur important qui a une FC Séville passé il perdit un bol du bel jeu du côté de et Porto a joué avec équipe Lyon équipe Lyon un bon championnat qui pas tellement fait un mauvais championnat non comparativement à Santi Carabas il y a des bel jeu tant que Lucas Paquita il y a un bon gars c'est Anthony Lopez qui bel latéral gauche Emerson qui était manqué à retourner à l'équipe Chelsea via blessé Chilwell là et puis il a perdu Shaqiri faut que nous disions ça tout et puis il a gagné Kaltuko et Kambi sans nous pas oublier l'autre attaquant Dembélé. En fait Porto Lyon et ce match qui va vraiment équilibré parce que Porto nous connaît qu'il fait une belle campagne éliminatoire avec l'équipe Lyon qui était tout en compétition déjà qui a still marché avec même initiative qui s'est toujours gagné équipe Porto lorsqu'on fait des confrontations avec Liverpool Milan si ça ne va pas équipe Atlético Madrid même qui au Brésil Luis Diaz parce qu'il est bas et Porto côté oui il est bas et Porto côté et pour tirage sur ça on a rappelé qui gagne trois équipes et qui sorti en Espagne qui c'est Betis FC Barcelone avec FC Séville il y a trois équipes qui sorti en Angleterre trois équipes ça qui c'est West Ham ouais toi équipe ça qui c'est West Ham toi équipe qui sorti en Allemagne plus précisément c'est toi équipe ça qui c'est RB Leipzig gain Eintracht Frankfurt avec Hoffenheim et tirage au sort nous espérer que yo pas nous des grands matchs de belles spectacles parce que c'est ça n'a pas
Sorry, Adou. Bon, moi, c'est... Pour en fait, football sous terrain, ça c'est analyse qui fait du haut terrain. Parce que FC Séville, c'est bête compétition, ça, c'est champion. Non, c'est pas champion, non, c'est 6 fois champion. Oui. La Ligue Europa, champion, oui. Non, c'est Villarreal, c'est Manchester United, non, c'est Obu, et DJ, a fait ça, le collègue, et tout le monde. Ok, Barcelone et Galatasaray, via former équipe, ça, moi, c'est qu'il a supposé essayer. Oui, s'il est capable de faire le mieux de lui-même pour qu'il prenne la Ligue ou pas, parce qu'il n'y a pas de racine, parce que l'équipe a fini dans le top 4. C'est parce qu'il n'est pas bon, en fait. C'est championnat, Atletico. Il n'y a pas de bon. Est-ce qu'il n'est pas venu plus fort dans la saison? Et puis, Real Betis, il a fait un bel. Un bel début de saison. Même si parce qu'il Real avec FC Séville, deux équipes, sans doute, il va qualifier pour la Ligue des Champions. Mais Barcelone, c'est pour se balayer à fond dans la Ligue ou pas. Et pour qu'il pas arriver champion ou pas. Pour éviter trop de calculs, pour que tu n'aies pas battu la dernière journée pour arriver à finir dans le top 4. Bon, en fait, je vais me dire que Barcelone garde à Sarai et Barcelone favori et la puissance 4. Je vais Barcelone favori parce que lorsqu'on est une équipe, Xavi qui a fait un grand travail là-dedans avec le recul qu'il fait dans le match de transfert et Vernal là pour que tu prennes puissance 4 là, les accompagner toi avec ça au devant. Dans zone de définition, dans zone de définition, ben nous espérons que Barcelone est qualifié et c'est belle affiche ça au Kentegen. Nous sommes contents pour notre numéro ça pour. C'était tout pour ça au Kentegen pour nous écouter pour l'émission ça et on a regardé que c'est Flash Sport qui passait sous page Flash TV Haïti. N'apprendez vous toujours abonner, partager vidéo, like vidéo, poster un commentaire parce que la pile nous appelle et nous t'es content Adonai et t'es content à toi Spavo et anglais et merci Stevenson, merci Régia qui t'a éclairé nous et restez connecté avec nous sur tous les réseaux sociaux, j'aime bien Flash TV Haïti sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, restez connecté avec nous, la prochaine fois. 3, 2, 1.